Hitler veut aussi montrer la soumission du parti au Führer, au chef. Ce culte de la personnalité sera bien servi par le photographe attitré d'Hitler, Heinrich Hoffmann. Toujours au centre de l'événement, nazi de la première heure, virtuose du Leica, toujours près de son maître. Hoffmann prend toute une série de photos étonnantes, destinées à montrer le côté humain du grand homme. Et séduire l'électorat féminin, tel que se l'imaginent les nazis. Dans la petite boutique d'Hoffmann à Munich, Hitler, toujours inspiré par Wagner, fasciné par les amples mouvements des chanteurs de ses opéras, étudie toute une gestuelle dominatrice avant de la mettre en pratique dans les premiers grands rassemblements nazis. Hitler dit alors : la masse est féminine et stupide. La seule chose qui la rend stable, c'est l'émotion et la haine.